personnellement, l'acte sexuel, ça m'épuise un peu, quoi. Rien que d'y penser, que de voir tout ce qu'il faut déplacer, quoi. Plus de 100 kilos de chair suintante qui s'éclabousse en poussant des petits cris, là. Mais à quoi bon ? À quoi bon ? Chez ta mère, les soirs étaient les l'hiver. Faire une croix sur notre jeunesse, s'infliger tes de grossesse, prendre 10 kilos dans les fesses. À quoi bon se sacrifier pour nos rejetons, les voir quitter la maison, rester dans le vide comme de cons. À quoi bon nous retirer à la campagne, attendre que le cancer nous gagne, c'est le premier qui meurt qui gagne. À quoi bon tous les je t'aime que l'on sème, récolte autant de problèmes. Qui est-ce qu'on aime quand on aime? Nos dilemmes restent les mêmes. À quoi bon? À quoi bon? Les comédiennes cherchent toujours à plaire. Et pourquoi? Parce qu'une comédienne qui ne plaît plus, c'est une comédienne qui ne travaille plus. Une comédienne, c'est une exagération de femme. C'est comme si tu prends une femme avec toutes les options. Ça peut être un peu dur, quoi. Parce que le problème des comédiennes, donc vous l'aurez compris, c'est qu'elles veulent pas ton corps, elles veulent ton âme. Elles traversent la rue, les gens n'en croient pas leur vue. Direct les voitures s'encastrent, elles provoquent toujours des désastres. Son sexe à pile démoniaque cause des tas d'attaques cardiaques. Tous les mecs deviennent livides et toutes les meufs se suicident. C'est une alerte à la bombasse, il faut réagir au plus vite. Cette meuf c'est de la dynamite, elle t'explosera sans laisser trace. C'est une alerte à la bombasse. Mais nous chez les mecs, on a bien pire. On a beaucoup plus pernicieux, on a les poètes. Méfiez-vous des poètes, les filles, parce que c'est vraiment une sale race. Le poète, il fait tout à l'envers. Le poète, il te séduit en disant qu'il est incapable d'aimer qui que ce soit. Et il te largue en te disant qu'il t'aime à fond. Je suis épris d'amour pour toi. Mon cœur se répète deux fois. Je veux recommencer, tout refaire avec toi. Je veux pas t'acheter, te payer avec de l'argent pécunier. Les villes urbaines sont pleines de ces tristes âmes en peine. Si seulement tu pouvais écouter ce que moi j'ai à te dire. Donne-moi la chance d'une opportunité, d'un nouveau départ pour mieux repartir. J'ai pas un 4x4, j'en ai 4. J'ai un petit hôtel à Montmartre, une villa à San Francisco et même un palais à Tokyo. Tout le monde veut être avec moi sur la photo, car j'ai toujours le plus gros bateau. J'ai voyagé partout, même dans l'espace, ça m'a coûté plein de sous. Mais
Mais c'était trop la classe.